Tous les rêves sont permis, tous les espoirs aussi. Vous nous avez donné la vie, vous nous devez un peu d'amour. On ne demande pourtant pas grand-chose. Un peu moins de promesses, un peu plus de bonheur. Un monde un peu moins fou, un monde un peu meilleur. Toi qui tiens dans tes mains nos désirs et nos destins, le pouvoir de changer nos lendemains. Si ton cœur s'ouvre un peu à la pluie qui mouille nos yeux, aux blessures de notre planète bleue. Tu sais, tout peut changer, il suffit d'un peu de volonté. De fraternité, change le monde, et Dieu fasse qu'un jour, les feux de l'amour nous laissent entrer dans la roue, autour de la planète, en mourir de chaîne se serrer, que rien ne puisse jamais. Salut à tous, parents, élèves, enseignants et à tous ceux qui nous rejoignent pour cette rediffusion de la classe de mère de l'école Bras de Fer de Bar-le-Duc au sommaire de ce journal. Les activités nautiques, les visites, les sorties et la vie quotidienne au centre, en passant par les veillées et autres animations du séjour. Nous commençons par un premier reportage sur le canoë, envoyé spécial Guillaume. 8, tout à fait mon cher. Roland nous a expliqué comment faire du canoë. Il faut se mettre à quatre, l'un devant, l'un derrière
et les deux autres au milieu de l'embarcation. Nous avons chacun une pagaie et il faut pagayer dans le même sens, c'est-à-dire deux par deux. Thank you.
aller plus en avant dans ce journal, arrêtons-nous au centre La Garenne qui nous reçoit. Reportage Nathalie. Situé sur un rocher dominant l'océan, le centre La Garenne bénéficie d'un point de vue privilégié qui profite à tout le monde. Les élèves en classe de mer, de mars à juin et de septembre à octobre. Pour les familles en maison familiale, de juillet à septembre. D'une capacité de 100 lits en chambre, de 3 à 5, l'association Vie et Créativité offre une restauration de qualité avec de multiples activités nautiques et de découvertes, de Pornic à Prigny en passant par l'ostréiculture du pays de Ré. Roland Clénet, directeur du centre La Garenne, met à votre disposition une structure confortable et aménagée. De trains, de voiliers, de baskets, d'une bibliothèque fournie, d'une salle et de télévision et bien d'autres choses que vous aurez peut-être un jour l'occasion de découvrir. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien les huîtres. Voici un reportage sur l'ostréiculture avec Maxime Hurel et Loïc Lamy. Oui, c'est moi, Maxime Hurel, en direct de la Bernerie en Ré, en direct des parcs à huîtres de la Bernerie en Ré. Les huîtres grandissent dans des parcs à huîtres délimités par des bâtons sur des collecteurs, naturels ou artificiels. Dans les mois sans la lettre R, mai, juin, juillet et août. Les huîtres sont laiteuses pour se reproduire. Quand elles sont adultes, on les détranque, on les sépare les unes des autres. Une fois nettoyées, on les calibre de 1 à 7. Plus le chiffre est petit, plus elles sont grosses. Elles arrivent dans notre assiette à l'âge de 4 ans. Bon les enfants, alors regardez bien, vous avez devant vous là... Commence simplement à se découvrir. Hein. Les parcs de la Bernerie sont des parcs ostréicoles. Alors vous voyez aussi les tracteurs. Eh bien, ce sont les ostréiculteurs qui vont travailler dans leur parc. Les parcs ne sont pas tellement grands. Chaque parc fait 25 ares. Mais évidemment, il n'y a pas qu'un seul parc. Vous voyez tout ce qu'il y a, tous les petits bâtons délimitent différents parcs. Et ça, vous irez les voir tout à l'heure et vous verrez que vous avez des tables, vous avez des collecteurs. Vous avez des poches dans lesquelles on met les huîtres. Hein. Et quand vous aurez vu tout cela, eh bien, on ira voir la zone ostréicole de la Bernerie. Salut toi, comment tu t'appelles? Moi c'est Huître Creuse. Tu sais, j'ai grandi ici dans les parcs à huîtres de la Bernerie en Ré. J'ai déjà 4 ans. J'ai beaucoup de copines. Elles s'appellent Huître Fine, Plate. Enfin, moi, je suis dans les meilleures, tu sais. À Noël, ça sera ma fête. Mais sois gentil, ne me mange pas tout de suite. Oui, je sais, t'es surpris, hein. Une huître qui cause, c'est pas tous les jours. Mais c'est normal, je suis une huître magique. Allez, salut! Nous poursuivons notre journal avec un sujet sur la classe, présenté par Léa. Avec ce séjour en classe de mer, il est normal d'écrire à nos familles.
D'abord pour les rassurer en leur donnant de nos nouvelles, ensuite pour les informer du bon déroulement de notre classe de mer. De notre excellent accueil par Roland et Jean-Claude, à notre installation dans nos chambres, en passant par notre première activité nautique, le canoë. Nous avons de quoi raconter dans nos lettres. Voici quelques images teintées d'un peu de nostalgie. Et oui, que voulez-vous, on grandit si vite. Nous sommes bien arrivés à la Bernerie Henri où je suis en classe de mer avec l'école. Il fait beau, il y a du vent et un ciel bleu. Comme nous te l'avons dit, je suis partie en classe de mer à la Bernerie Henri dans la Loire-Atlantique. Il fait super beau avec presque pas de vent. Le ciel est d'un bleu, je ne peux pas te dire. En tout cas, je passe un bon séjour. Salut Auréel, salut papa, tout va bien. Nous sommes arrivés plus tard que prévu. Les chambres sont super confortables, c'est génial. On va peut-être aller faire un tournoi de foot sur la plage. Hier aussi, nous avons étudié les huîtres avec un ostréiculteur. Pendant toutes les activités, Jean-Claude nous filme. Il va faire une cassette vidéo. Je suis dans la chambre avec Julien, Guillaume et Maxime Hugard. Salut papa, salut maman. Les journées sont bonnes, les repas sont bons. On a déjà fait du canoë. Je suis en classe de mer à la Bernerie en Ré. Je fais du canoë, du kayak, on ramasse des coquillages, des huîtres, on s'amuse bien. J'espère que tout va bien. Mercredi, le matin, on a classe, c'est pas mal. L'après-midi, on fait du kayak. Salut, grosse bise à tous. Bonjour à tous, le voyage s'est bien passé. Un peu long quand même. Mardi, on a fait du canoë, c'était super bien. Je m'amuse bien, le soleil magnifique. Nous sommes à quatre dans la chambre, moi, Thomas Michel, Maxime Hurel et Benoît Guillaume. Bonjour papa, la mouette t'envoie un petit bonjour de la Bernerie Henri et te raconte ce programme. Alors on a fait du canoë et du kayak. Bonjour la famille, j'ai reçu votre lettre, elle m'a fait beaucoup plaisir. Nous sommes le 30 avril et cet après-midi, nous faisons du canoë-kayak. Nous sommes dans une chambre de 4. Bonjour papa, maman et Sophie. Voici la maison où nous sommes. Elle est au-dessus de la mer, c'est très beau. Salut papa, salut maman, salut Nico. On a déjà fait du canoë, c'était super marrant. Après, on est parti dans les zones ostréicoles. Aujourd'hui, nous avons écrit nos cartes. Et cet après-midi, nous allons faire du kayak. Demain, jeudi, nous allons pique-niquer à Pornic. Nous sommes en train de faire un journal sur la classe de mer. Je suis rapporteur. On va faire comme si c'était les informations à la télévision. Avec Lucille, Léa et Noémie, par la fenêtre, il y a des beaux mecs. Poisson d'avril, il y a la mer bleue. Est-ce que Micmac va bien? Il faudrait que tu me dises l'adresse d'Alice. On a le beau temps, mais avec un peu de vent. Cher papa et maman, tout va bien. Le soleil et le vent sont là. Nous sommes bien arrivés, mais c'était un peu long. Dans le bus, on a joué. Le mardi, réveil par les maîtresses. Il fallait se dépêcher de se laver, s'habiller et aller déjeuner du chocolat chaud, des tartines de beurre et de confiture. Il est midi, c'est l'heure de passer à table avec Julien. Tous les jours, nous mangeons à la même heure, c'est-à-dire à 12h15 le midi et à 19h le soir. On peut parler sans hésiter de repas copieux quand il s'agit de menus préparés par Jean-Pierre. Nous avions toujours une entrée bien présentée, suivie d'un plat de résistance à la bonne odeur alléchante. Un dessert, comme nous les aimions tous, crèmes diverses, glaces et fruits. À tour de rôle, par table, nous portions une coquille
Saint-Jacques qui nous donnait la responsabilité de la table et des plats pendant le repas. Si nos images avaient des odeurs, vous en auriez l'eau à la bouche dans ce reportage à croquer. Après le canoë, nos élèves découvrent le kayak. Reportage Victor. Dites-moi, vous qui avez la grosse tête, connaissez-vous la différence entre un canoë et un kayak? Je parie que non. Eh bien, c'est très simple. Dans un canoë, vous êtes à genoux avec une simple pagaie. Et dans un kayak, vous êtes assis avec une double pagaie. Pas mal le niveau de mes connaissances, hein? Bon, plus sérieusement. Je vous raconte le déroulement de cette activité qui commence par un gilet de sauvetage qu'il est obligatoire de porter. Ensuite, assis dans le sable, nous écoutons les explications de Roland avant une démonstration pratique. Ensuite, c'est à nous. Voici justement quelques extraits filmés par Jean-Claude, notre vidéaste.
Avec la sortie à Pornic, c'est une journée sympa qui nous attend. Reportage, Jérémy Masson, Maxime Hugard. Cette journée sympa a commencé par une superbe balade de la Bernerie à Pornic, par le chemin des douaniers où nous ferons étape par deux fois, avec la découverte d'un tumulus et d'un mène où Jean-Claude nous parlera de leur histoire. Arrivé à Pornic, le pique-nique au jardin public, ensuite Roland nous parlera de Pornic, de sa géographie. De son histoire avec notamment Gilles de Ré, la croix des Huguenots. Nous terminerons cette journée par en visitant le port où Roland nous parlera des différentes formes de pêche. Allez, assez de parlotte. Voici quelques images et en musique, s'il vous plaît. Bon, Gilles de Ré, les enfants, c'est un personnage très bizarre. À la fois un très grand personnage historique qui a existé, hein, c'est pas une légende. Quelque chose qui a fait des très hauts faits d'armes. Et puis aussi qui a eu une vie assez délurée, assez... Il buvait, il tuait des enfants, enfin, voyez. Alors, le positif de Gilles de Ré, enfin, sa gloire, c'est évidemment quand il a été compagnon de Jeanne d'Arc, le lieutenant de Jeanne d'Arc, qu'il a eu de très grandes victoires et qu'il est devenu maréchal de France, c'est-à-dire le plus haut titre militaire qui puisse exister. C'était donc un grand seigneur. Et puis d'un autre côté, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, il buvait, il avait plus ou moins fait un pacte avec le diable. Qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait des enfants, il en a tué presque 200, quoi. Enfin, il y en a qui disent même davantage. Vous voyez, un personnage, l'un des plus grands assassins de son siècle, par contre. Hein. Donc, un grand personnage et un lamentable personnage. Les deux facettes, et dans tous les domaines. Je vais vous expliquer ça en détail tout de suite. Regarde, c'est le château de Gilles de Ré. Ah ouais, Barbe Bleue, celui qui tuait les enfants. N'importe quoi, tu dis conneries. Barbe Bleue a aucun rapport avec Gilles de Ré. C'est une légende, comme Cendrillon, Petit Poucé. Et vieux, faut arrêter le club Dorothée. Hein. Hey, tu me cherches, ma vieux? T'es fâche pas, même les adultes peuvent se tromper. D'accord, papa. Dis-moi, en attendant, tu pourrais m'offrir une barbe à papa. Ah ah, t'es comique toi, Barbe Bleue, barbe à papa. Hé, hey, encore une comme ça et tu passes aux grosses têtes. Allez viens, bouffon, on s'en va.
Vous avez différentes sortes de pêche. Premièrement, l'hiver, vous avez une pêche avec un filet très très fin qui va prendre les civelles. Ce sont des toutes petites anguilles et c'est une pêche très importante pour la contrée. Vous avez un autre qui va se mettre dans le fond de la mer, qui va y rester, qu'on va relever après, qu'on appelle le trémaille. Vous avez d'autres pêches qui se font avec des lignes et des gros hameçons. On va pêcher le congre même avec ça. Hein. Vous avez d'autres pêches qui se font avec des casiers. Alors là, on va pêcher des langoustes, des homards, des gros crabes. D'accord ? Et vous avez une autre pêche, alors vous avez tout un tas d'autres pêches. Vous avez la pêche à pied, si vous avez la pêche, vous verrez aussi que vous allez pêcher avec des petits objets. Et vous avez un autre qui se fait avec un chalut. Et le bateau qui tire le chalut va s'appeler comment ? Chalutier. Un chalutier, bravo, vous avez 10 sur 10. Et Ouhou, t'arrêtes de rêver, faut rejoindre les autres. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Qui ça, Pierre? Mais non, le chalutier. Dis, tu sais pourquoi on appelle ce bateau un chalutier? Non, mais je suis sûre que tu vas me dire. Regarde ce filet, on l'appelle chalut, d'où le nom chalutier, c'est même un chalutage arrière. Ah, comme sur la maquette de Jean-Guy, le neveu de Roland, il a même appelé ce bateau la Marie Morgane, et le filet sur le côté. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Qui ça, le chalutier? Mais non, Sébastien! Alors maintenant j'y suis, Sébastien et la Marie Morgane. C'est bien, t'as tout compris. Allez, ne traînons pas. Ils s'en vont pour très longtemps, dans la brume, dans le vent, comme les nuages s'en vont en voyage, les marins quittent le port. Avant d'aller se coucher, nos élèves ont la chance de participer à une veillée-jeu. Reportage Lucille Carré. Le soir, avant d'aller nous coucher, entre 8h30 et 9h15, nous profitons d'une veillée animée par Roland et Jean-Claude et Olivier. Des jeux dynamiques en début de soirée, mais plus calmes en fin de veillée. Des chants. Un soir, Roland nous a même fait découvrir la superbe maquette d'un chalutier réalisée par son neveu Jean-Guy. Mais ce soir, c'est grand jeu et chant avec notamment la fameuse garuche. Et
jungle, celle de la bernerie. Ça t'étonne, mais à la bernerie aussi, on peut faire une jungle. Le jeu est très simple. Ici, autour de toi, des primates, des gorilles. Et toi, tu dois t'imposer comme le roi de ce jeu, donc le roi de la jungle. À savoir, le roi de la jungle, Tarzan. Ils vont tous, dans un instant, faire un cri très primitif de gorille. Hein, ils vont faire « Oh !» comme ça. Et toi, tu devras, en tant que roi de la jungle, faire le cri de Tarzan et être super guerreux par rapport à la voix. Le cri de Tarzan est très simple, c'est « Oh, 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 oh !» D'accord ? Emmène-moi là-haut, au-dessus des bateaux, dans ton ciel. Chante, moi chante, la chanson que frôle le vent. Voile, s'envole, regarde-tu. Allez, bonne nuit les petits, le marchand de sable va passer. Reportage sur le coucher, Thibaut. Le soleil se couche et nos élèves en font autant. Il est 9h30, la plupart sont au lit et ronflent copieusement. D'autres, en retard, se brossent les dents avec énergie. Enfin, il y a ceux qui ont du mal à trouver le sommeil et qui en profitent pour lire BD ou autres magazines préférés.
tous en selle, nous partons pour Prigny. Reportage Gauthier. C'est en vélo que nous avons rejoint Prigny pour y faire état, comme jadis les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Arrivé à la chapelle, Roland nous conta les origines de la bernerie avec Perrault le Bernier. Il nous apprit que Prigny fut envahi par les Vikings. À chaque statue de saint, Roland nous racontera leurs origines. Quel merveilleux voyage dans le temps, voici quelques extraits. Alors, vous êtes donc les enfants dans la chapelle de Prigny. On a dit tout à l'heure qu'il y avait le port Saint-Jacques, qu'il y avait les douves, qu'il y avait un château et qu'il y avait une hôtellerie pour soigner les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que ici, c'était un relais pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et alors en plus, dans cette chapelle, vous avez tout un tas de souvenirs des gens qui sont passés. Vous avez par exemple une pièce là, de bateau, hein, une ancre marine, qui a été laissée par les Vikings. Vous avez là sur le côté une magnifique statue, vous voyez, de Saint Guénolé, qui est le moine blanc, le patron des paludiers. Donc on va aussi vous parler du sel. Vous voyez que c'est très important. Et puis vous avez aussi tout un tas d'autres statues qui vous rappelleront tout un tas de passages, de pages de l'histoire de France. Eh vieux, un bon conseil, passe cette pierre. Ah ouais, et en quel honneur? Eh bien, je te signale que c'est une pierre à cochon. Et alors, où est le problème? Eh bien, si tu ne passes pas cette pierre, t'es qu'un cochon. N'importe quoi, tu sais que tu es bien aujourd'hui? En pleine forme, pas comme certains, car moi j'ai le coup trop lent. Au Moyen-Âge, vois-tu, cette pierre empêchait les cochons d'aller bouffer les morts. Ça y est, t'es content maintenant, t'as donné ta petite leçon? Ouais, mais au moins je suis sûr que t'es pas un cochon. Ah, ah, encore une comme ça, tu passes aux grosses têtes. T'es un bouffon, toi? Il me semble avoir déjà entendu ça quelque part. Oh, la statue de Saint-Guénolé, ma préférée. Moi, je préfère Saint-Germain. Il a fait plus de choses, évêque diplomate. Peut-être, mais Saint-Guénolé, lui, il a chassé les Vikings et il peut nous rendre service, encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, Clara? Eh bien, si jamais tu ne trouves pas de mari, tu viens planter une aiguille dans le pied de Saint-Guénolé et l'année qui suit, tu le trouveras. Mais imbécile, tu crois que j'ai besoin de ça pour me trouver un mari? Tu te trompes. Oh, allez, te fâche pas. Et puis, si tu ne trouves pas de mari, je pourrais toujours te dépanner si tu cherches un homme, un vrai comme moi. Alors là, tu t'es toujours courir, espèce de macho. Ça sonne bien, je cours vite. À défaut d'aller à la messe en ce dimanche, nous participons à une célébration organisée par Roland. Envoyé spécial, Anaïs. En ce dimanche, jour du Seigneur, il est de tradition, au centre de la Garenne,
de participer à une célébration que nous organisons nous-mêmes en participant à l'animation par des chants, des mimes, des lectures. Du Gouas, nous avons la chance de pouvoir rejoindre l'île de Noirmoutier. C'est justement à cet endroit que nous attend notre grande reporter, Caroline. Noirmoutier est devenu un lieu touristique unique au monde. Depuis 1972, un pont relie Noirmoutier au continent. Au programme des marais salants, à l'église Saint-Philibert, en passant par la traditionnelle récolte de coquillages sur la plage des Herbaudières. Je vous invite à nous accompagner dans le souvenir de cette journée. Bon là les enfants, regardez bien ce gouas qui a été donc pavé en 1922 et qu'on peut franchir en quart depuis 1927, mais bien avant il était franchi. Quand les Hollandais ont envahi l'île, eh bien, les Noirmoutiens ont pu, les habitants de Noirmoutier ont pu s'évader par ce gouas. Si vous regardez bien en face de vous, les enfants, vous avez un marais salant. Regardez comme c'est joli. L'eau vient par un canal. Je vous ai montré le canal quand on est venu. Et puis, après, ça passe par des étiers. Et ça arrive dans ce marais. Et grâce à deux phénomènes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, grâce au phénomène d'évaporation et au phénomène de cristallisation, eh bien, le sel va pouvoir être récolté dans ce marais. Amis visiteurs, soyez les bienvenus dans ce lieu très ancien, recueilli sous ses voûtes romanes. Vous voici devant un monument funéraire du XIe siècle qui indique le premier lieu de sépulture de Saint Philbert, le moine et l'apôtre de cette île au 7e siècle. Oh,
notre journal est déjà fini. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à toutes les personnes et organismes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de notre classe de mer. Nous disons un grand merci à Roland pour son accueil et sa participation active et enrichissante. Olivier, notre animateur, ainsi qu'à Jean-Pierre pour ses repas copieux, sans oublier Jean-Claude, notre animateur vidéaste. Salut et à la prochaine rediffusion. Jésus.